sais qu'il y en a d'entre vous qui le connaissent. Michael Fluchet, c'est le descendant du monsieur qui est là, tout simplement. Lui, c'était notre papa, c'est lui le créateur du festival. Il a eu le désir de nous quitter il y a 2 ans, il est parti, voilà, comme ça. Mais on ne meurt pas comme ça, on laisse toujours quelque chose, on laisse des graines. Voilà une graine, par exemple. Belle graine. Et il laisse des potes aussi, j'en fais un peu partie. Il y a Lou, il y a les copains qui sont là. Alors, quand il est parti, on s'est dit, c'est pas le tout, on continue le festival, ne serait-ce que pour lui. Alors, tiens, j'ai un bruit là, qu'est-ce qui se passe? C'est un avion en réaction. Mais c'est pas possible, on est au 19e siècle, même un peu avant. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'être aux côtés du fils du créateur du festival qui va essayer de vous dire 2-3 mots parce que autant il est gentil garçon, autant il est beau, très beau. Mais en même temps, il bafouille un petit peu quand il cause. Chacun son métier. Donc, un peu de pitié pour lui. Applaudissez-le pour lui donner du courage. Michael. Comme ça. Bon, je suis pas très doué pour les grands discours, donc on va essayer de faire bref. Donc, déjà merci à tout le monde d'être venu. Avec le temps qu'on a eu, déjà c'est bien. Je suis content, donc merci à tout le monde. Et ensuite, c'est important. J'aurais voulu remercier tous les bénévoles qu'ont travaillé pendant ces 2 jours et même avant, parce que il y a du montage. Donc, je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est grâce à eux. À ce festival. Donc, en plus, il y a quelques nouveaux qui sont arrivés cette année, des jeunes qui arrivent. Donc, je voudrais les encourager aussi et puis leur dire merci à eux aussi. Après, il y a aussi des amis là-bas dans le fond, là, les Indiens, je vois Paco là-bas, Norbert, enfin, tout le monde. Merci les amis, ils sont fidèles aussi. Et une dernière chose, c'est important, c'est, comment dire, s'il n'y a pas de secret, c'est que ce festival a été refait en hommage à mon père. Ça c'est pas un secret, tout le monde le sait. Mais c'est aussi un hommage à des gens. Quand on a monté ce festival en 2008, il y avait des gens ici qui ont travaillé, des bénévoles, qui sont malheureusement partis. Donc je voudrais, c'est aussi un hommage à ces gens-là. Et aussi des personnes qui étaient dans les camps, des amis à nous qui sont partis aussi rejoindre mon père. Et c'est un hommage à tous ces gens-là et une pensée à ces gens-là. C'est un hommage aussi pour eux. Voilà. Merci à tout le monde.